Un bus scolaire transportant des élèves entre le collège de Millas et puis, semble-t-il, la commune de Saint-Féliu-d'Aval a été percuté par un train. Le choc a été violent et nous avons à déplorer un certain nombre de blessés et blessés très graves qui ont été pris en charge puisque ça a été la priorité évidemment des moyens déployés par les sapeurs-pompiers et aussi un certain nombre de moyens privés. Au bilan, sachant que nous avons 24 blessés très graves. Sur ces 24 blessés très graves, il y a donc 21 collégiens et puis nous avons 3 personnes qui étaient dans le TER. Donc ces personnes ont été réparties dans les différents hôpitaux, principalement l'hôpital de Perpignan, puisque j'ai déclenché immédiatement le plan rouge et j'ai déclenché aussi le plan blanc élargi avec l'aide de l'Agence régionale de santé.